Voilà, on a mal de bagues mal de bouffe et rassalté. Rada ou guérir à tout achara ou hamsa ou on a mal kit comme un barrage de l'égitum. Je vois la cargo fi bako et fi denum ou faco. Je vois la maman et fou. Madame on a mal dit tu as vu la somme ou je vois la chilta fi bakanum ou l'en zoula tarap ou je vois la carale de zoula ou manarba ou je vois la comme un esprit ou chalet de l'inda fatoua. Oda ya matragira idana o sharani odani fi hospital o salason o garan fi rasi complet da alima jina fi beda o gaden foga wasa golu isa makam ba o gaden no sabad no kachir bage shilu garan kachir ku bage fi rasi asa bai alle ndurugulu le fashu na chowar wa ndul al kidi mal wayn dol ifashule na ana yal dogo dol al wayn dol la man na to abu dol bish bagana wayn dol gan rufo gara dan mal ide agin akul mafi e yani shuka la dan da bagan rufi ra salte da da gan kumu jar kan dol la gan kaslu gan wudusu gan kaslu wudusu gun kan chakun gan farji foga akil gan akulu foga ar nar nu gay o gay ide agin ara mana dan so aldol dol mana dan so wa ta kera cho la ma sita haribe an demandele nas le fashle na kidime hal nakadum o nargo bakon adil nagod bakon wa ro ka kachir da kul mai jiba ali fashle pape ana don bakon ana kan se business kan lita afira ni se business ya Ali farshule papi papi ana danda kotalwa nam chwe ka to fi kusiri nam farsha foga to kuma bizin dol ne tsaga alka shara 20 farsha foga ka to ka shimi L'accident s'était produit le 29 mai dernier aux environs de 9h quand les jeunes du centre et ceux qui sont de dehors que nous encadrons partent dans leurs activités quotidiennes de ramassage de tout objet recyclable pour pouvoir les vendre au marché. Et ces objets, ça se trouve dans les poubelles. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans les poubelles du terrain Fest Africa. Et ils ont trouvé une grenade qu'ils étaient en train de manipuler inconsciemment. Et c'est comme ça qu'un autre jeune les a vus et a accouru pour pouvoir prendre la grenade et jeter au loin. Quand la grenade, juste à ce moment, a explosé, et à emporter sa main. Donc jusqu'ici au centre, nous avons senti la déflagration et quand nous sommes sortis, les enfants aussi ont accouru pour venir nous dire qu'il y a un des jeunes qui sont dans la rue qui a pris le coup avec une main qui est partie et il y a d'autres jeunes qui sont évanouis. Et on a constaté effectivement les dégâts. Il y avait un jeune qui s'est évanoui et celui qui avait perdu sa main. Son cas était grave et il saignait beaucoup. Et c'est à cet instant que nous avons directement fait appel aux agents de la CSP6 qui tout de suite étaient aussi intervenus pour pouvoir prendre et celui qui a perdu sa main et le jeune qui est évanoui pour le conduire illico à l'hôpital. C'est là-bas que les soins se sont faits et tout de suite nous avons aussi lancé un appel un coup de cœur. Et toutes les personnes qui contribuent toujours dans nos actions, telles que Hissène Garo, Papi Selesao, et il y a aussi le fils de Béchir Madé qui était intervenu et puis ils ont pu payer les premiers frais d'urgence. Et le jeune qui a perdu sa main est pris en charge par le centre jusqu'à actuellement son rétablissement. Bon, jusque-là, tous les frais de médicaments ne sont pas effectivement payés
Et pour que ces jeunes soient complètement rétablis, il faut encore investir et faire des pansements. Donc il y a beaucoup de produits à acheter pour ne pas aussi que la blessure soit infectée. Donc nous cherchons toujours des moyens pour ne pas qu'il risque de tomber dans une infection qui peut encore lui coûter complètement le bras.